demande comment c'est possible que ça tienne avec une piste pareille, c'est incroyable. Bon ben, salut à tous hein, en cette belle journée ensoleillée sur le circuit d'Alès. Là c'est pas de bol aujourd'hui. Par contre du coup, comme j'en ai un peu plein le cul de me déplacer sur les circuits Allez, vas-y. Merci pour regarder la pluie tomber et attendre que la piste sèche, j'ai dégoté un train de pneus pluie. Donc ce sont des Bridgestone W01. Je n'ai jamais roulé avec des pluies, ni sous la pluie d'ailleurs. Donc ça va être... Là c'est vraiment la découverte hein. J'ai aucune idée du comportement que ça peut avoir. Tout ce que je peux te dire c'est que c'est flippant hein. De prime abord c'est flippant. Donc je vais progressivement tester un peu les... J'allais dire les limites, non, j'espère que je vais pas aller jusqu'aux limites, mais voilà. Essayer d'appréhender un peu la réaction de la moto et de ses pneus. Ça s'annonce une journée bien pourrie, hein, parce que ça va être que des successions de petites averses orageuses. Alors on sera en permanence, à mon avis, en train de jongler entre du bien mouillé et du presque séchant. Donc merdique quoi. Donc ce matin il y avait déjà deux sessions qui sont passées. J'espérais que la piste sèche, alors j'avais pas encore monté les pneus pluie. C'était quasiment sec mais les slicks étaient toujours interdits et puis là tu vois ben voilà hein, de nouveau averse. Donc bon, le côté positif c'est que j'ai pas monté les pneus pluie pour rien. En plus, ouais, je suis un peu dégoûté parce que j'adore ce circuit. C'est vraiment un de ceux sur lequel je suis le plus à l'aise. Alors, je crois que je suis tout seul sur la piste. Hein. C'est flippant, putain, c'est flippant. Ma parole, c'est flippant. Ah, c'est à part hein, comme expérience. Écoute, pour l'instant, pas de réaction bizarre. Hein. J'ai même pas l'impression que l'adhérence est différente de d'habitude, on va dire. Après, le problème, c'est d'aller situer où se trouve la limite. Quand t'as jamais essayé ce genre de pneus et de conditions. Soyez indulgents hein. Mec, j'ai posé le genou mec. C'est n'importe quoi. Je pose le genou sur le mouillé, mais jamais j'aurais cru. On va pas s'emballer non plus, mais bon. Là, j'ai le genou par terre, là. Oh, le plus chiant, c'est la buée sur la visière.
là c'est du n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, incroyable. Le slider. Je te demande comment c'est possible que ça tienne avec une piste pareille. C'est incroyable. Ah, c'est de la folie. Allez, on va sortir. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, je comprends mieux tous ceux qui disent ah, tu verras sous la pluie, c'est un autre monde, c'est autre chose. C'est... Ah, c'est vrai, et c'est bluffant. C'est bluffant le grip que t'as avec ces putains de pneus. Donc, prochain investissement, une paire de jantes nues d'occasion là, pour avoir des pneus pluie montés en permanence, pour éviter, parce que là, si il refait sec, je redémonte mes roues, je les ramène au box, qui me remonte mes slicks, et au moins terminer de se pointer sur les circuits et puis ben, regarder la pluie tomber quoi. En fait, ce qui m'a saoulé, c'est Manicourt, la dernière roulage du coup. Je devais rouler 2 jours, j'ai roulé qu'une journée. Et le lendemain, pluie toute la journée quoi. Et ben, pas de pneus pluie, mais j'ai pas roulé. Et ce qu'il y a, c'est que Manicourt, de chez moi, il y a 6 heures de route. Donc bon, 6 heures de route pour rouler que la moitié du temps que tu étais censé faire. Donc j'ai dit, mes couilles, il faut que j'ai des pluies. Enfin, je voulais essayer quoi. Ben, j'ai essayé. Putain, c'est le top. Allez. Merci. Donc, deuxième session. Ah, ça devient séchant, les pneus vont pas aimer. Oh merde, et on rouge. Oh, le grip de malade, mais c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai pas mis de chrono là. Prochaine session, je vais quand même tenter là. J'aimerais quand même bien voir à combien je suis de mes chronos sur le sec. Bon, j'en ai pas fait beaucoup des chronos ici. Hein. J'ai roulé que 2 fois, mais je l'ai appréhendé assez vite ce circuit. J'aime bien. Donc. En roulant que 2 fois, j'ai réussi à tourner en 1.26. Ouais, c'est pas extraordinaire, hein, mais c'est quand même un chrono honorable. Hein. Par rapport à l'Aide-Non, par exemple, je suis beaucoup moins à l'aise. L'Aide-Non, normalement, on dit que c'est 10 secondes de plus qu'ici, donc je serais censé tourner en 1.36. Et je roule qu'en 1.39. Donc ouais, 1.26 sur le sec. Ah, on peut repartir. Donc j'aimerais bien savoir combien je fais sur le mouillé. Allez, gaz. Voilà, j'ai senti une virgule de l'arrière là. Waouh, waouh, waouh! Ah, faut faire gaffe à la remise des gaz quand même. Allez papa, tu vas le dépasser. Allez papa. Oui, tu vas le dépasser. Allez, allez.
tête et quoi on va sortir parce que ça commence à devenir bien séchant, je monte le rythme là et je pense que mon pneu arrière il est en train de souffrir. Espérant que il pleuve pas là entre midi et deux, qu'on puisse remettre les silic cet après-midi, ça serait quand même bien. Hein. Au moins 2-3 sessions en silic, ça serait pas de refus. Bon ben c'est non hein. Il y a un foutu un rouchat entre midi et deux de l'espace, donc c'est encore plus mouillé que ce matin je suppose. Passer le peloton, ça va être compliqué là. Il les a bien rattrapés. Allez, il a doublé. Allez, allez, papa! Il m'en a plein la gueule.
c'est trop séchant là. C'est trop sec, les trajets sont sèches. Putain, maintenant que j'ai des pluies, j'ai envie qu'il pleuve, bordel. Normalement, il reprévoit de la pluie d'ici une heure, alors espérons que ça va bientôt retremper comme il faut. Tiens, c'est... Si un jour on m'avait dit que je prierais pour qu'il y ait de la pluie quand je suis sur piste, ah putain, je t'aurais pas cru. Et le voilà! Allez, la dernière, la der des der, putain. On nous a autorisé à partir en slick. Je te raconte pas le bordel. Je les ai mis en couve du coup vite fait à l'arrache. Les pressions, ça va être à peu près n'importe quoi. J'ai calculé ça un peu à ma sauce. J'ai fait pression à froid quoi. Donc j'avais pas précisé, aujourd'hui on roule avec Paul Mécanique Motoclub. Et un grand merci au mécano du coup hein, de l'Orga. C'est lui qui m'a monté les pneus pluie ce matin. Alors il paraît qu'il y a encore des traces d'humidité par endroit, on va y aller mollo au début. Donc là il m'a remonté. Il m'a remonté mes slicks sans me refaire payer le montage. Alors qu'il aurait très bien pu. Donc hein, c'est quand même très sympa de sa part. Oh putain, on va pouvoir faire au moins une session sur le sec. Et bien sûr, la GoPro avant a planté jusqu'à la fin de la session. Une vraie GoPro. Pour la peine, tu vas avoir droit à un tour chrono en marche arrière. Je sais, une 34 sous la pluie, ça devrait faire une 24 sur le sec. Bah non, toujours une 26. Même chrono que la dernière fois. Bon, en même temps, on a eu qu'une seule session sur sec. Et encore, elle a été vite écourtée à cause de ça. Sorti là-bas. Et du coup, il y a un rouge. Bon, ben je pense que la session. Wow! Alors, je sais pas si tu verras toi, mais ça fume là-bas. Je sais pas, mais ça fumait là-bas. Ouais. Comme tu dis, on arrête là, ouais. Lui, il a rien compris à ce qui lui est arrivé, le pauvre. Il est venu me voir dans les paddocks, il m'a filé ses coordonnées pour que je lui envoie le petit clip là, il gardera ça en souvenir.
Donc c'est chose faite. Si j'ai bien compris, il a explosé un refroidisseur d'huile ou un truc comme ça. Il y avait du liquide de refroidissement sur la meule partout. Le pneu arrière inondé de liquide. Donc c'est pour ça qu'il est parti en saucissonnage complet. Il est allé gentiment se coucher dans le bac à gravier. Bon. Mais du coup, piste inutilisable. En plus, on était à une demi-heure de la fin de la journée. Ils ont dit stop, on arrête. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo te fut agréable. Si comme moi, t'as jamais mis tes roues sur une piste mouillée et que ça te tente, j'ai qu'une chose à te dire, fonce. Moi, j'ai essayé que ces pneus-là, donc je peux pas te donner d'avis sur d'autres pneus. Donc Bridgestone W01, on me les a conseillés en me disant qu'ils étaient top. Et honnêtement, bon, j'ai pas d'autres références en termes de pneus pluie, mais c'est bluffant, c'est impressionnant le grip que tu as avec ce genre de pneus. À savoir, avec ces pneus-là, pas de couverture chauffante, pression 2-2 à froid devant derrière et roule ma poule.